Ce matin, je me réveille et il a tombé de la pluie cette nuit. Regardez, après l'automobile, tout est glacé. Si vous écoutez bien, j'entends même le voisin qui frappe après son auto pour la déglacer. Il y a 1 cm de glace après l'automobile et je dois marcher avec une grande délicatesse. Je n'ai pas eu l'intelligence de prendre mes grappins pour marcher ce matin. Grappins, ce sont mes couvre-chaussures avec des clous. Et voilà, regardez la remorque. J'ai pas vérifié à la météo combien il est tombé. On va vérifier si je suis capable d'ouvrir. Ah, je suis pas capable d'ouvrir la clôture. Elle est prise dans la neige, dans la glace. Ah, j'ai réussi. Voilà. Tout est gelé. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo de déneigement de ma couverture, c'est pour cette raison que je l'ai déneigé. Avec toute la pluie qui était annoncée. Voilà, ici au Québec, on a des récupérations pour le plastique, le carton, le métal. Cette chaudière, elle sert pour récupérer les cendres de mon poêle à bois. Si vous regardez bien, on voit que ça commence à dégoûter. Ils annoncent plus 8 aujourd'hui. Présentement, il fait encore moins 2. Et à moins 2, il a plu toute la nuit. Ah, notre beau Québec! Pensez-vous que c'est bon à manger, ça? Oui, c'est bon à manger. Délicieux. Je vais marcher doucement sans me casser la marcoulette pour vous montrer le rebord de la toiture. Regardez ce que ça donne ce matin. On voit des dégouttières. Il y en a partout. Partout. Et on va aller à la partie la plus haute du garage, la remise. Et je vais fixer la caméra pour que vous puissiez voir les dégouttières. Il y en a partout. Et regardez la glace sur le toit. On voit, si vous regardez bien sur ma toiture de maison, du côté gauche, il y a de la glace aussi qui descend du toit. Ici, il n'y en a pas. J'ai une gouttière qui récupère l'eau qui descend. Voilà l'échelle que je vais devoir soulever un peu pour pas qu'elle soit prise dans la glace, si c'est pas déjà fait. Bon, OK, elle était prise dans la glace.
Alors, je suis très heureux de l'avoir sorti dehors pour quand même. OK. Ici, il y en a plusieurs niveaux. Hein. Il y a la poignée, intérieur, extérieur, les petites garnitures. Alors, après-midi, ils annoncent 8 degrés. Ainsi, ça n'existera plus, tout sera disparu. C'est pour ça que je voulais prendre quelques images ce matin. Ah oui, je vous avais déjà montré ce meuble que j'ai fait avec du bois de récupération. Voilà l'utilité que j'en fais. Et la même chose sur la tablette du bord. Tout ça fait avec des bois, des planches de palette. Je vais récupérer un 4 litres de lave-vite pour l'auto. Avec ce qu'il va y avoir sur la route, il va sûrement en avoir besoin aujourd'hui. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter notre beau Québec le printemps. Sur ce, ciao. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager, comme d'habitude.